Les amis, bienvenue dans ce camping illégal suspendu à plus de 160 mètres avec, je pense, la meilleure vue de tous nos campings. Messieurs, dames, on a trouvé un échafaudage extraordinaire qui partait de tout en bas d'un gratte-ciel jusqu'à tout en haut et fait de bambou. Et quand tu vois comment c'est attaché avec des petites ficelles en plastique, tu te dis que c'est les problèmes. Ah, le camping illégal, une discipline hautement risquée, consistant à passer la nuit sans se faire prendre dans des endroits interdits, exotiques ou inaccessibles. Alors ce qui est bon, c'est que c'est gratos. Là où les palaces avec une vue pareille te chargeraient plusieurs milliers de dollars, nous, c'est gratuit. Et je crois que cette fois on a fait fort, car le spot est incroyable, il domine la baie d'Hong Kong. Mais l'accès est ultra chaud. Il te faut grimper sans sécurité autre que la force des bras. 160 mètres d'échafaudage en bambou qui grince et qui se tord sous ton poids. À vrai dire, de toi à moi, c'est juste terrifiant. Les bambous sont archi fins, et si ça pète, tu finis par terre en yakitori direct. Alors, c'est top pour les cafards, mais c'est pas une super perspective d'avenir. Il y a Clem qui va manger mon pantin, il est juste là. Il arrive. Classique métallique, ouais. T'as moins les prises efficaces. C'est différent. Putain, c'est infernal. Infernal. Ok, là il y a un trou sous mes pieds. Le sol même de l'échafaudage, c'est des bambous. Ce qui fait que si tu fais pas gaffe là où tu mets les pieds, t'as les pieds qui passent au travers. Et tout à l'heure, j'ai fait me faire une cheville parce que mon pied est à moitié passé. Donc là, on va sortir, monter et transférer d'immeuble parce que c'est pas là qu'on grimpe, c'est juste derrière. C'est chaud. Au bout de 5, 10, 15, 20 mètres, vraiment, moi, je me dis, j'ai un mauvais pressentiment, un mauvais feeling. On ne sait pas si les bambous sont faits pour résister à nos poids. Il y a les sacs qui sont très lourds parce que il faut le baudrier, le hamac, la bouffe, etc., tout le matos vidéo. On est vachement déporté en arrière. Et en fait, on remarque très vite qu'il y a des trous à l'intérieur de l'échafaudage que sûrement les ouvriers empruntent. C'est beaucoup plus simple de grimper sans sac et de se passer les sacs à chaque palier, ce qui nous permet comme ça de gratter assez vite plusieurs étages. Les gars, je crois que passer par ici, c'est presque moins fatigant que les cages d'escalier où il fait 50 degrés. Parce que là, au moins, il y a le vent un peu qui brasse. Mais par contre, j'ai tellement pas confiance en la structure. C'est des vieilles ficelles sur des bambous. J'ai tellement peur que ça se casse à tout moment. Donc par sécurité, là, on est passé à l'intérieur de l'échafaudage. Comme ça, s'il y a un truc qui se casse, on tombe entre guillemets que d'un seul étage et pas de 30 étages. Mais en tout cas, la vue déjà est très stylée. Donc si c'est stylé maintenant, j'ose même pas imaginer ce que ça va être là-haut. Les amis, on va shooter une petite photo sur cet échafaudage. Là, c'est pas simple parce qu'il faut faire de la pose longue, la main levée, parce que j'ai pas de moyen de mettre vraiment un pied ici. Une demi-seconde, je pense, ça va être ça. Si c'est net, chapeau. Ok, et c'est parti. Un truc un peu presque cliché, mais Jackie Chan, tu vois, genre les vieux films d'action asiatiques années 90 que vraiment je kiffe dans le délire. Il y a un peu cette vibe, tu vois. Toujours encore une fois, 3 du mat, en train de chercher un spot pour dormir. Et je suis assez optimiste quant à nos capacités à trouver un bel endroit pour planter le campement. Le campement. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on avale les étages, on enchaîne et on arrive même en fait à dépasser l'immeuble qui est collé au nôtre parce qu'en fait, c'est vraiment, il y a genre 2 mètres d'écart grand max entre les deux immeubles. On se demande comment ils peuvent construire si proche. Et très vite, on commence à se rapprocher du sommet. C'est marrant qu'ils aient le droit de les construire aussi près. Genre la règle, ça doit être 1m50. On va laisser passer les cyclistes. Ouais. Là, vous regardez. On y est, putain. J'avais peur que ça communique pas, mais c'est bon. C'est un trou à droite. Ah ouais, sacré trou. Welcome home, baby. On va être super bien. Regarde-moi ça. Regarde ça. Il y a un maca, tu les vois là? Tu penses? On va être caché par toute la structure. Du coup, je pense que même les bâtiments autour, ils vont pas nous voir. Ce qui
qui est ouf, c'est qu'il faut dire qu'à Hong Kong, c'est super rare de pouvoir grimper une tour par l'extérieur, arriver directement par le toit. Pour nous, c'est presque du hack. Tu vois, t'es en mode genre la matrice, elle a été hackée, là on est direct sur le toit sans être passé par les cages d'escalier de l'enfer où il fait 1000 degrés. Mais c'est vrai que c'est une belle récompense parce que t'arrives et malgré la nuit, tu vois absolument tout ce qui se passe. C'est encore beaucoup éclairé, même si pas mal d'immeubles sont éteints parce qu'il est déjà, je crois, 2 heures passées. On voit tout de suite le potentiel malgré la nuit. Et quand tu regardes le trou de ce côté-là, la façade est tellement lisse que ça te fait un petit haut de cœur, tu vois. Tu peux dire, tu fais. Non, tu ça va. Tu balises. Non, pas du tout. Tu chies dessus. Jamais. Là, mec, je sais pas si tu te rends compte, on a un nouveau record personnel. On vient d'escalader un gratte-ciel de tout en bas à tout en haut par un échafaudage en bambou dégueulasse. Ça, c'est mérite un check. Et on peut pas s'empêcher d'installer le plus vite possible le hamac parce qu'on veut dormir, on veut que ça se passe en un éclair pour tout de suite pouvoir profiter du lieu et commencer à faire des photos de jour sur la structure. Ça prend pas mal de place, donc on est en train de regarder comment l'agencer au mieux pour que ça prenne pas tout le bâtiment non plus, hein, de hamac. Et puis j'ai hâte de dormir en vrai. Je pense que là on a peut-être même une photo à faire suspendue sur la structure et en cadrant suffisamment bien sans avoir le sol là où on est. On va penser que je flotte dans les airs ou que je suis à genre 500 mètres de haut. Mais peut-être demain quand il y aura le soleil et toute la lumière. Genre là, comme un ça, genre un mat les pieds dans le vide, c'est encore plus ouf, je trouve. C'est flippé, hein. Demain matin, on va kiffer de ouf. Ça va être incroyable. Regarde ça. J'ai même pas envie de dormir tellement j'ai hâte. Ouais, j'ai vu. Allez, ciao mon gars, bonne nuit. Vas-y, bonne nuit. Hey YouTube, t'as vu, on a mis une petite longe, on est bien sécurisé, comme ça on va pouvoir dormir. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. À dans 3-4 heures pour le lever de soleil. Je ferme le cocon. Pendant qu'on tape notre meilleur sieste, j'en profite pour te dire que notre dernier film, Buran, la quête finale sur l'infiltration du cosmodrome de Baïkonour en conditions hivernales, est dispo sur Vimeo On Demand. Vous êtes énormément à nous dire que c'est le meilleur des trois films et ça fait grave plaisir. Alors si tu l'as pas déjà vu, le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien et vos retours incroyables. C'est grâce à vous qu'on peut amener l'aventure vers de nouveaux sommets et t'en sauras plus très très vite. Car tout le flux récolté sur Vimeo finance directement le prochain film. Bon, on s'est un peu fait pleuvoir sur la tronche, je vous l'avoue, mais la nuit est passée et ça s'annonce fantastique. Je crois que ça y est, il fait enfin jour. Oh là 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 là, c'est trop stylé. Ça dort ou quoi ici? Mec, attends, je crois que je suis pas prêt pour la vue vertigineuse. Ah, oh, c'est encore mieux de jour. Oh mon gars, t'es pas tombé pendant la nuit, c'est bon? Non, pas encore. Salut. Mais je me suis pris de la flotte, je sais pas quand, mais je suis mouillé. Le petit room tour, sans pression, modeste. Voilà, hein, écoutez, on va pas en faire un plat. Putain, j'avoue, la vue était extraordinaire, quoi. Honnêtement, je pense que c'est sûrement la meilleure vue de tous les campings illégaux qu'on ait pu faire. Franchement, les amis, je m'en remets pas du tout. Zéro. Tu sais qu'on a zéro vis-à-vis, hein, là, on est vraiment... Ouais, je sais, mais... Genre, plus près, c'est pas possible. Et pour l'instant, c'est gratuit. Extraordinaire. J'ai un paradoxe dans ma tête, je me sens hyper bien parce que je suis comme dans un canap, donc c'est vraiment trop bien. Mais en même temps, c'est ultra flippant parce que vraiment on est au bord du vide, j'ai mes pieds dans le vide, je vois les bus géants qui sont microscopiques en dessous moi. Si je me penche comme ça là, il y a un vrai délire en fait, il y a une énergie dans cette ville, tu vois, ça fait un peu pitié de dire ça, mais c'est un vrai truc, genre... City vibe, bro. Vibing. On va pouvoir un peu kiffer sur la tour. Faire quelques toffes. Je te laisse bien checker parce que ça va être très désagréable pour le moment. Ouais, vas-y quand tu veux. Yeah, I gotta keep it trilly on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots from my neck. Self-respect when you out of line, you put yourself in. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Putain, regarde. C'est cool. Ouais, c'est pas trop chelou. Mais non, c'est pas chelou. Ce qui est chelou par contre, c'est d'avoir envie de retourner sur ces bambous pour faire une photo et de constater à pleine lumière que c'est des ficelles en plastique qui les maintiennent. Les gars, de retour sur les bambous de merde. C'est tellement peu stable. Regardez à quel point c'est peu stable. Y'a rien qui tient, bordel. Du coup, le bambou que tu vas prendre, c'est le bambou de gauche. Ok, stop, voilà. Voilà, nickel. Prêt ? Bon allez, on l'a, on se casse.
Hop 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 papillon, qu'est-ce que tu me racontes là? On va pas du tout se casser, on va aller se faire une photo drone qui déboîte et ensuite tu vas aller marcher en équilibre en haut de la structure blanche comme un homme. Parfois je me demande ce que je ferais sans moi quand même. Et bah voilà, c'est dans la boîte. Ah je suis fatigué mec, je sais même pas pourquoi je monte avec toi, tu vois. Je sais même pas. Faut valider le top, tu connais la règle. Bah ouais, valider le top, mais ouais, c'est vrai qu'on a pas valider le top. S'il y avait 160 mètres de bambou à refaire, je la referais pas. Sympa quand même, hein. Et bah allez, validons ce top et partons comme des princes. C'est oui, dégueulasse cette histoire. Check bien tes poutres parce qu'elles sont pas ouf, hein. Ouais, j'avoue qu'il y en a qui bougent. Très très stylé, n'empêche. Là, cette vue quand même imprenable. Quand on voit l'état des poutres bouffées par la rouille, par l'eau de mer, etc., ça inspire pas confiance. Je pense qu'il n'y a pas une solidité de fou partout. Le plan initial était de marcher en équilibre le long, mais ça me semble un peu trop risqué au vu de l'état. Vous voyez, chaque zone, chaque soudure est complètement rongée. Donc on va rester sur la zone safe ici. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose et qu'il y a, je sais pas, une poutre qui se casse, a priori ça n'arrivera pas, mais si jamais ça arrive, il y a de quoi se rattraper et on est dans des hauteurs qui sont pas non plus trop vénères, quoi. Mais là, c'est extraordinaire, extraordinaire. Pas mal, est-ce que tu penses que tu peux avoir un pied sur ta gauche ou pas? Ouais, nickel. Top, vas-y, on va la shooter comme ça. Check plus à ta droite. Et on y va. Si t'as kiffé cette vidéo, on a fait plein d'autres campings illégaux sur la chaîne, je t'invite à les regarder. Il y a quelques temps, on en a fait un ici, à Hong Kong, encore plus fou que celui-là, la vidéo. Elle est juste là, je t'invite à cliquer. Ciao. Yamakasi, Yamakasi. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Goddamn flex. Sign that check. Told him last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet.